à des réseaux dans le monde, dans les 5 continents. C'est-à-dire que les reconnaissances des femmes en tant que moteur de croissance et de développement socio-économique. L'association des femmes chefs d'entreprise du Maroc existe depuis 2000. Elle a été créée par une poignée de femmes qui ont cru en l'énergie et les capacités des femmes. Aujourd'hui, nous sommes 550 membres. Nous existons dans 7 régions du Maroc et nous sommes aujourd'hui représentés dans tous les secteurs d'activité et surtout dans le secteur des services et dans le secteur du commerce et du textile. Nous créons donc 55 000 emplois et nous sommes certifiés ISO 9001 depuis 2008. Du contenu du congrès, parce que nous jugeons que c'est un contenu qui est à l'air du temps, qui est en phase avec ce qui se passe actuellement. Aujourd'hui, la réussite dépend aussi des valeurs, la réussite dépend aussi de cette responsabilité sociale de l'entreprise, la réussite dépend aussi de ces synergies créées entre des partenaires donc des deux rives, sud et nord et sud-sud. Donc je pense qu'on est vraiment à l'air du temps. Et avec le forum d'investissement que nous allons faire, je pense que nous sommes en phase avec les préoccupations gouvernementales aujourd'hui qui sont d'orienter un petit peu les investissements et les partenariats vers l'Afrique. Et donc toute la journée du forum de l'investissement va être orientée sur les opportunités d'investissement en Afrique et les opportunités d'investissement au Maroc.